Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment faire ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est une fausse blessure qui est assez réaliste. Alors, j'aurais pu mieux la faire. Mais voilà, j'avais pas mon poisson. Mais vous voyez à quoi ça ressemble. Déjà là, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc pour faire ce maquillage, vous avez besoin seulement de produits que vous avez forcément chez vous. Voilà, pas cher. Donc on va commencer par le matériel. Alors vous aurez besoin de fond de teint pour que ça ressemble à votre peau. Donc demandez à votre mère si vous pouvez en avoir, qu'elle vous prête, parce que normalement vous avez la même peau. Voilà. Vous aurez également besoin de colle. Colle en tube. Simple à voir. Voilà, vous l'avez dans votre trousse. Voilà. D'une feuille à papier. Simple. Une feuille blanche, de copie, tout ça. Je prends ce que j'ai. D'un couteau à beurre ou un couteau de table, mais qui ne coupe pas. Voilà. D'une brosse qui vient bien évidemment avec ce fond de teint en poudre. Du produit pour les paupières. D'un feutre fin noir. Vous aurez également besoin de ketchup. Pas forcément un grand truc, mais voilà, un homme ou un sachet McDo. De la confiture. Et je vous conseille de la confiture de fraises ou de framboises. Et plusieurs cotons-tiges. Donc pour la première étape, c'est très simple. Vous prenez votre feuille, le petit couteau à beurre, vous pouvez même prendre une spatule ou ce que vous voulez, que qui ne coupe pas, et votre colle. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, on va sortir de la colle, à peu près à ce niveau-là, hop, ouais, c'est bien. Et maintenant, avec le couteau, vous allez venir faire comme ça, hop. Vous allez couper, hop, voilà, vous voyez, là on a notre bout, on le pose. Vous essayez de prendre autant que vous voulez. Mais là, malheureusement, ma colle est presque vide. Donc on va faire avec. Une fois que vous avez votre colle, vous allez l'aplatir. Et une fois qu'il est bien aplati, vous mélangez. C'est parti! Quand vous avez fini, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, vous allez mettre de la colle ici environ. Donc vous pouvez prendre avec vos doigts ou plutôt comme vous voulez. En fait, vous allez mettre comme ça, en ligne. Comme ceci. Et une fois que vous l'avez mis, vous allez aplatir avec le couteau. Comme ceci, hop. Vous aplatissez, hop. Bien, pour qu'ils soient bien collés, n'hésitez pas à appuyer fort. Ensuite, sur les côtés, vous allez bien faire comme ça pour que ça se fonde avec votre peau. On se retrouve tout à l'heure. Quand vous avez fini, vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. C'est pas grave si c'est pas parfait. De toute façon, on fait toutes les erreurs. Et ce que vous allez faire, j'ai oublié de préciser, prenez un petit objet pointu, pas trop un cure-dent, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris ça parce que c'est efficace. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer dedans une ligne qui va la traverser. Voilà, vous voyez? Et vous allez essayer de l'écarter un peu, hop, comme ceci. Bien délicatement. Voilà, normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc déjà, vous voyez à quoi ça commence à prendre forme. Voilà. Une fois que vous avez fait votre entaille, vous allez prendre un peu de ceci et en mettre un peu partout sur le blanc. Donc quand vous avez fini, vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre le fond de teint en poudre et en mettre un peu partout comme ceci. Hop. Voilà. On met bien partout comme ceci.
Voilà. Donc normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, vous allez prendre votre palette pour vos paupières et vous en prenez un peu de violet. Faites regarder. On en met un peu partout. Et en fait, ça va faire comme des bleus, comme une blessure. Genre, ça va faire un effet de qu'on est tombé. Voilà. Un effet de choc, de chute. Vous en mettez bien un peu partout. Hop. Voilà. Là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Hop. Voilà. Donc, normalement, vous avez un truc un peu comme ça. Vous frottez un peu. Voilà. Vous avez un truc qui ressemble à ça. Maintenant, vous allez prendre le feutre fin et vous allez mettre du noir tout à l'intérieur. Donc, vous allez comme ceci chercher à l'intérieur. Vous mettez bien partout et on se revoit tout à l'heure. Donc, quand vous avez fini, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, vous prenez un coton-tige et un peu de ketchup. Voilà, simple. Donc, je vais en mettre un peu. Voilà. Donc, une fois que vous avez un tout petit peu comme ça, enfin, c'est un peu trop, vous en mettez bien comme ceci. Mais un tout petit peu, pas comme ceci. Et ensuite, avec le bout, vous allez frotter pour histoire. Ça doit se voir à peine. Comme ceci. Maintenant, vous prenez votre confiture. Vous l'ouvrez. Vous prenez bien évidemment de la confiture. Vous mettez à l'intérieur de la plaie. Hop. Essayez de l'enfoncer un peu. Hop. Voilà. Donc normalement ça va donner un effet de brillance. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait la fausse blessure. Et si vous voulez, je vais mettre un peu de maquillage, enfin de peinture rouge, pour le rendre plus réaliste. Je reviens dans quelques instants. Donc voilà, j'ai mis un peu de maquillage rouge pour le rendre un peu plus réaliste. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, commenter. Et surtout, abonnez-vous. Au revoir.